C'était le dernier rendez-vous à la Rabina avant la trêve des confiseurs. Les vanetés des Irans confirmaient leur dernier succès à Aurillac face à des Biarros encore sonnés après la perte de leur invincibilité à Aguilera face à Béziers. La Rabine et l'ensemble des acteurs ayant rendu avant le coup d'envoi un vibrant hommage avec cette minute d'applaudissement dédiée à Nicolas Chauvin, jeune espoir du Stade français tragiquement disparu des suites d'un traumatisme cervical après un plaquage. Après l'émotion, place au jeu et les vanetés qui vont ouvrir le score par l'intermédiaire de Jules Lebaye qui convertit cette première pénalité de la rencontre. Les Biarros vont répliquer quasiment dans la foulée par Tyrone Elkinson, l'ouvreur, qui ajuste lui aussi sa première tentative de la soirée. 3 partout entre les deux formations, des vanetés qui tiennent le bon bout dans ces premières minutes. Longue séquence aux abords de la terre promise, le ballon qui est éjecté vers les extérieurs. Et c'est le centre, Frédéric Aix, qui ramasse le ballon pour l'aplatir. Le premier essai de la rencontre entre les poteaux. Les Vanetés qui poursuivent leur effort, avec toujours ces libérations rapides entre les arrières. Le jeu de passe entre Aix et l'ailier Fartas qui va l'aplatir. Deuxième essai déjà en faveur des Bretons. 17-3, la Rabine exulte après ce début de match. Un fanfare de la part des hommes de Jean-Noël Spitzer. La réaction se fera attendre, mais viendra du côté des Basques. Doubrer alerte ses arrières. La conservation est bonne du côté des Basques. Même sens. La sautée pour l'ailier Oua Tavoilo. Le ballon est ramassé une nouvelle fois par Doubrer qui retrouve Memmen, son pilier droit, Kalibati, Tawake pour le premier essai de la rencontre des Biarros. Tyrone Elkinson qui viendra réduire le score juste avant la pause, 17-13 pour Vannes à la mi-temps. Les visiteurs euphoriques en ce début de seconde période. Le ballon dans les bras d'Oua Tawalo qui va servir parfaitement son centre Ilian Perrault, qui résiste au retour des derniers défenseurs pour aplatir le deuxième essai du Biarritz Olympique qui repasse devant le score pour la première fois de la rencontre. 20-17 en faveur des Biarros. Jules Lebaye rajoutera 3 points supplémentaires en faveur des Bretons qui recolle le score. La décision n'est toujours pas faite. Cette rencontre est débridée. Les avants vanetés poursuivent leurs efforts en tentant de se faire des passes dans la défense. Biarrota, et c'est le talonneur Leroy Klostermans qui profite d'une erreur pour aller aplatir. Un nouvel essai en faveur du RCV qui mène au score 27-20. Le Biarritz Olympique va rester en vie avec cette nouvelle pénalité convertie par Tyrone Elkinson. Jules Lebaye lui répondra peu de temps après, 30-23. Vannes qui se sécurise au score. Et un dernier effort dans les ultimes instants avec les avants qui concassent tout sur leur passage. Et Christopher Hissenbeck vient valider cette domination d'ensemble pour inscrire l'essai de la victoire. 37-23, Vannes qui, grâce à ce succès, dépasse son adversaire du jour. Alors que les Biarros, candidats à la qualification, sont désormais à 7 unités de la 6ème place.